Scobonus, en avant bonus. Salut Nico. Bon alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je reprends vite fait le truc. Pour le pack avec vampirisation, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un nouvel endroit débloqué. Bah allez voir, c'était ça. Le fort de la garde. Et ça m'a envoyé ici. Alors je ne suis pas encore vampire. Mais ça ne saurait tarder. Ça saurait tarder. Donc j'ai attendu. J'ai tué quelques personnes. Quelques bordels comme ça là. Et voilà où j'en suis. Et j'ai attendu d'activer le bouton pour voir ce qui allait se passer là. J'ai récupéré une arbalète. Je sais pas pourquoi il y a moins 30% sur les bâtons, les dégâts. Ouais, donc fallait que j'aille regarder un petit peu autour avant d'activer le bordel. J'avais vu qu'il y avait de la gargouille et tout ce qui va bien. Et j'ai quand même pas mal dépensé d'argent, hein, avec le coût de la maison. Hein. Bah, il me reste 18 000. J'avais plus de 45 000. Le levier, je sais pas ce qu'il active, on va attendre un peu. Ça activera la porte. S'emmène, je sais pas. Je préfère déjà visiter tout ce qu'il y a d'ouvert avant de chercher ce qu'il y a de parfait, quoi. De parfait. Oh là là. Pff. Ce qu'il y a de fermé. Craquage. Coffre, j'avais déjà fait. Bon, je fais quoi en premier? J'active ça ou j'ouvre là-bas?
à votre avis? La porte ou ça? Que j'ai quand même attendu qu'il y ait un peu de monde, que vous soyez là pour faire le plus intéressant du truc. Il n'y a point, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Le petit F5 qui va bien. Salut oreille de fœtus. Ah, c'est mon bestiau qui est mort. J'ai même pas une arbalète quoi. Bah un arc. Je vais pas récupérer un arc de merde quand même. Yeah.
Oh, allez! Bim! Ça c'est fait. Salut, psych! Mais bien sûr qu'on en trouve du Skyrim français, mon gars. Même pas un petit masque, une petite tenue. Même pas. Oh, ça c'est triste. Oh oui, ça sent le DLC. Bah, c'est le début du dernier DLC que j'ai pris. Donc, t'arrives pile poil. Je pense que quand on mettra les comptes sur orbite, t'as pas fini du DLC vampire. Merci Psych pour ton follow. Super sympa, merci à toi. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas oublier le mot. Alors, c'était quoi ce mot? D'accord. Ponctionne. Bonas va ponctionner. Eh ben. Bon, je vais peut-être aller activer le bordel là-bas, alors, du coup. Je vais repartir en arrière. Sur PS3, bah, j'ai un pote qui les a tous sur PS3 et ça va très bien. Non, non, non. Mais oh, arrête de voir de raconter de la merde, la psychique. Ok, ciao mec. Bonne soirée. Des genoux en béton, bonasse. Oh! Ça c'est ballot ça. Je me suis un peu fait baiser. Oh voilà.
me suis fait mal? Est-ce que je me suis fait quelque chose? Un labyrinthe, tout ça. What the fuck? Wow. Salut Valnek. Oh. User left your channel. You were moved. Ici. Je m'attendais à trouver quelqu'un qui soit comme moi. Un... Ça ne se voit pas. Un vampire. C'est... compliqué. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Mais si vous voulez connaître toute l'histoire... aidez-moi à regagner ma demeure familiale. Ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude. J'imagine qu'elle est toujours là-bas. Au fait, je m'appelle Serana. Enchantée de vous rencontrer. Salut Serana. Bonne question. C'est difficile à dire. Je n'en sais rien. D'accord. J'ai l'impression que je suis restée ici pendant très longtemps. Qui est le haut roi de bord de ciel? Oh, merveilleux. Une guerre de succession. Je suis ravie de voir que le monde n'est pas devenu barbant pendant mon absence. Qui sont ces rivaux? Empire? Quel empire? Oh là là! Si Rodil est le siège d'un empire, j'ai dû être absente plus longtemps que je ne le pensais. En tout cas, plus longtemps que prévu. Je vous en prie, hâtez-vous. Je dois rentrer chez moi pour découvrir ce qui s'est passé. J'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas. Bah, si ça me dérange. N'allez pas croire que... Simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. C'est le mien. C'est compliqué. Ouais, mais toi tu me dis rien là. J'aime pas trop ça. Ma demeure se trouve sur une île près de Solitude. J'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire. C'est là que vit ma famille. Ce n'est pas très accueillant, mais j'y serai en sécurité normalement. Seulement que ma mère et mon père sont en froid. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si j'étais en danger. Simplement, je préférerais éviter mon père. Jamais de la vie.
n'en sais pas plus que vous. Cet endroit a beaucoup changé depuis l'époque où j'y étais enfermé. Ouais. On va passer de l'autre côté. J'aime pas trop t'avoir derrière moi. Hey, ça pique, hein. Oh. Il a pas su régler ça. Ouh, il aimait. Viens, Vermine. Elle est où? Mais je vais pas dans l'eau, moi, Vermine, putain. J'étais obligé d'en faire tout le tour. Ouais, c'est pas grave, vas-y, viens, on se casse. Allez, viens! Laisse voir la bestiole tranquille, putain. Allez, zou. Faut vraiment tout faire. Salut, Systematics! En fait, tu fais style, tu me suis sans me suivre, c'est ça? J'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. Je commençais à m'inquiéter. Eh non, je sais pas où aller, ah là là. Qu'est-ce qu'elle a ramassé, elle? J'espère qu'elle va dire merci. À nouveau, quel bonheur. Même par ce temps, je préfère ça à la grotte. Oui. Je préfère garder mes affaires. Merci.
donc... C'était quoi ça? Ah si, elle sert un petit peu, elle m'a un peu vidé. Par contre, j'aime pas trop avoir un vampire au cul, quoi. Pas faire un petit... on voit déjà un peu mieux. J'en ai pas une autre au-dessus de moi pour mettre au-dessus de moi. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas. Je te remercie, Jafk. J'arrive qu'à jamais, ok. Merci à toi. Pour ton follow. Bonasse également, te remercie. J'ai 4 gargouilles que 6. Le jour où ça pète, ça va pas aller. Et toi le vieux? Salut à toi. Elle est restée là-bas. Et au fait, avant d'entrer. Ah. Oui. Rien, ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez plus besoin de me protéger une fois à l'intérieur. Alors, nous y voilà. Nous y sommes. Ce château, c'est chez moi. Oui, c'est impressionnant. Ouais, c'est quelque chose. Ah. Bon, je sens que t'as des petits problèmes avec les personnes qui sont là-dedans. Est-ce qu'on va se taper les 6 gargouilles? J'aimerais avoir une réponse. Est-ce qu'on va se taper les 6 gargouilles? Ouais, t'en sais rien. Ouverte.
Madame Serena est de retour après toutes ces années. Si je m'attendais à ça. Faudrait que tu suces un peu de sang, toi, tu m'as l'air un peu pâle. Il n'y a pas de sonnette. Comment vous êtes posé le pied ici ? Attendez. Serena ? Oui, c'est elle. C'est bien vous ? C'est bien elle. Je ne crois pas mes yeux. Bernard ! Bernard ! L'amour est revenu ! Seigneur, écoutez tous. Serena est de retour. On m'attend, j'imagine. Je n'arrive pas à y croire. Ma fille est enfin revenue. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Oui, j'ai bien le parchemin. Évidemment que je suis très heureux de te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner ? Ah, si ta maîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici ? Étrangère, s'il te plaît. Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a libéré. Sauveuse. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi. Ah si, j'ai joué vampire. Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Oui. Pas de simple vampire. Nous sommes parmi les plus anciens et les plus puissants de bord de ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. C'était ce que j'allais vous suggérer. Absolument, vous méritez une récompense. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens. Ouais, tu veux me sucer le sang. Je vous offre mon sang. Acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche. Bah ouais, mais en même temps, t'achètes plus jamais la mort. Le DLC. Ah, t'aimes bien jouer vampire, quoi. Si c'est juste pour en buter, ça fait un peu chier. J'ai reconnu votre odeur particulière. Ça veut dire quoi, ça a le pu ? Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera. Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie. Mais après cela, vous ne serez plus qu'une proie. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Que je vous offre. Faites votre choix. Ne bougez pas. Là, le premier qui s'est tapé, bonasse. Toi, je crois que tu vas y passer dans pas longtemps. Vous êtes enfin debout. Votre pouvoir augmente. Vous devez maintenant apprendre à l'employer. Si vous écoutez mes conseils, vous deviendrez un instrument mortel, inspirant la terreur à tous les mortels qui croiseront votre route. Écoutez-moi attentivement et suivez mes instructions. Le pouvoir du sang ancien se trouve sous la forme de seigneur vampire. Prenez la forme de seigneur vampire et nous poursuivrons.
absorbez la vie de vos ennemis de la main droite. De la main gauche, vous pouvez invoquer la magie du sang pour réveiller les morts. Vous pouvez également faire appel au pouvoir nocturne pour vous transformer en volée de chauve-souris et réapparaître plus haut. Si vous êtes à court de magie, descendez au sol et battez-vous comme une bête. Essayez et nous poursuivrons. Posez bien. Vous êtes plus faible une fois au sol, car vous n'avez pas accès à la magie du sang. N'oubliez pas cependant d'utiliser vos pouvoirs nocturnes, ainsi que vos griffes, qui s'avèrent être des armes redoutables. Avec le temps, vos pouvoirs gagneront en puissance, et vous trouverez de nouveaux moyens d'utiliser vos dons. Alors... D'accord. Il y a beaucoup à apprendre, mais si vous maîtrisez les pouvoirs de Seigneur Vampire, peu d'ennemis pourront vous tenir tête. Vous devez encore apprendre une dernière chose. En tuant des mortels avec votre ponction de vie, vous gagnerez de nouveaux pouvoirs nocturnes et de la magie du sang. Je conserve toujours des esclaves dans l'écurie du château, au cas où vous auriez un petit creux. Je n'ai plus rien à vous enseigner. Si vous souhaitez savoir certaines leçons, vous n'avez qu'à demander. Je compte vous confier une tâche qui prouvera vos pouvoirs. Mais avant tout, avez-vous des questions ? Oui. En devenant vampire, vous gagnerez de nouveaux pouvoirs, mais vous deviendrez aussi sensible au soleil. Si vous ne vous nourrissez pas, cette sensibilité grandira de jour en jour, tout comme vos pouvoirs. Buvez le sang de vos proies assoupies, et votre vulnérabilité au soleil diminuera, mais vos pouvoirs également. Allez vous adresser à Garan Mariti. Dites-lui que l'heure est venue. Il comprend. Ouais, là ça marche, normalement. C'est bon ? Ouais, ouais. Ok. Ouais, par contre, il reste activé un peu trop. Attends. Bon, j'ai été surpris, je me demandais ce qui se passait. Vas-y, là, reparle. Bah voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, pour moi, en tout cas, je t'écoute bien. Je t'entends bien. Attends, il s'active encore un peu. Je fais comment pour... une forme normale. Vous êtes là, ça a l'air pas mal. Vas-y, parle. Voilà. Je parle et puis voilà. Non, ça devrait marcher, bien marcher maintenant. Bah, je te remercie en tout cas, Doc. Voilà, maintenant, viens me prendre ta sauce sur les Twitter. C'est bien ça, ouais, bien sûr. User disconnected from your channel. Tout je me permets de vous rappeler que vous n'impressionnez personne ici. Ouais, mais je fais comment, mon con ? Comment enlever ça ? «
User joined your channel. Voilà. Ah, ok. Ouh, quel regard, bonasse. Je m'étonne de ne pas vous avoir vu à la réunion de notre seigneur. Vous étiez sans doute trop occupé à comploter. Mm-hmm. Quoi? Quelle réunion? Mais je n'en ai pas été informé. Ah, je vois. Ok. Je pensais qu'il nous avait fait monter tous les deux. Curieux. Ah oh merde, il y a un mec qui revient. La vie est meilleure ici que n'importe où en bord du ciel. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Dégagez. C'est agréable. Tu t'en ferais du coup? Et pas celle d'un être. Ouais, ton micro est fort. Entre nous, je trouve qu'il y en a trop. On ne peut pas leur faire confiance. Je n'ai jamais pu. Un conseil. Évitez de vous laisser entrer dans les histoires de Vingalmo. J'entends il pas. Le trône et n'hésitera pas. Bah, je veux pas faire de tomito. Ah ouais, c'est pas chemin. Grand Dieu, non. C'est un elfe, n'est-ce pas? Il vous flattera jusqu'à vous faire baisser la garde. Ouais, sinon, on va se switch. Puis il utilisera et se débarrassera de vous quand vous n'y serez plus d'aucune utilité. Méfiez-vous. D'accord. Que les ténèbres vous protègent. Merci. Si je suis sûr que vous ferez une recrue de choux, laissez-moi donc vous donner un conseil. Vas-y. Méfiez-vous de certains. Nous ne sommes pas nombreux à servir Ortiolf, tenez. Il vous dira que ses intentions sont nobles, mais il faut s'en méfier comme de la peste. Ne l'oubliez pas. Il prétend être un loyal serviteur, mais il convoite secrètement le trône. Il se voit déjà devenu. À ses yeux, la fin justifie les moyens. Si vous lui faites confiance, vous le regretterez, je vous le promets. En fait, faut faire gaffe à tout le monde. T'en penses quoi, toi? Eh. Oh. Je m'étonne de ne pas vous avoir vu à la réunion de notre seigneur. Vous étiez sans doute trop occupé à comploter. Quoi? Quelle réunion? Mais je n'en ai pas été informé. Je pensais qu'il nous avait... La politique, ce n'est pas pour moi. Je me contente de servir le seigneur. Crack bonus. Entendu gueuler. Salutations, sœur. Oh là là. Bien le bonjour. C'est pas joli. Salutations, sœur. Ah, oui. Eh bien... Bon. Ce que j'ai demandé. Oui, Ferran, bien sûr. Je m'en charge. Et toi, non, tu fais plus rien? Oh, que se passe-t-il? Oui. Il vous faut quelque chose? On se mariera peut-être après. Peut-être. Salut, toi, le gars qu'il faut pas faire confiance. Ne m'intéresse pas. J'ai vécu bien trop longtemps pour ça. Et j'y suis pour rien. J'ai vu tellement de manœuvres politiques lorsque je faisais partie de la maison Dress. Elles me lassent toujours autant. Je n'ai jamais compris la fascination des Nordiques pour les armes. La magie est tellement plus polyvalente. C'est vrai. Mais les Nordiques sont tellement plus bonnes que toi. Du Seigneur, Archon. Un peu de respect. Que désire notre Seigneur? Je vois. Il veut récupérer le calice. Avez-vous entendu parler du calice de Pierre Sang? Non, pas là, non. C'est un secret très bien gardé. Le calice est en la possession du seigneur Archon depuis un certain temps. Il permet d'augmenter la puissance de nos pouvoirs lorsqu'il est utilisé correctement. Notre seigneur l'a négligé pendant des années, mais souhaite à présent le remplir. C'est bon signe. Il se prépare de grandes choses. Suivez-moi, je
Je vais vous conduire jusqu'à lui. Ouais, le seigneur Harkon n'a jamais daigné utiliser le calice. Jusqu'à maintenant, il comptait sur ses propres pouvoirs. Ce changement est bien intrigant. Effectivement. Ça me paraît bizarre tout ça. Attends, on va faire un truc. On va enlever le casque quand même. Ah, bonasse. Excusez-nous. Il faut que j'aille chercher le calice de Pierre Sang. Le calice? Pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous mijotez, Garan? Ce sont les ordres du seigneur Harkon, Ortiolf. Un peu de retenue. Notre compagnon ici présent a pour ordre de remplir le calice. Vraiment? Absolument. Elle est en route pour la tanière d'Oru. Dans ce cas, bonne chance. Vingalmo et Ortiolf sont les principaux conseillers d'Harkon. Ils seront surpris d'apprendre que vous partez chercher le calice. Oui, tout le monde a été surpris par Bonas. Nous y sommes. Ah ouais. Le calice doit être rempli directement depuis la source de sang de la tanière d'eau rouge. Mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, vous devrez y verser le sang d'un puissant vampire. Gardez à l'esprit que la tanière d'eau rouge est tombée entre les mains de... Disons simplement qu'elle est maintenant occupée par des membres moins honorables de notre société. Vous pouvez tenter de négocier avec eux, ou bien forcer le passage. À vous de décider. Ah, parlez sans bonas. La patience n'est pas le fort du seigneur Harkon. Ces petites querelles ne m'intéressent pas. J'ai vécu bien trop longtemps. Ouais. On va la faire chauffer un peu. Merde, je fais n'importe quoi. Voilà. Non, non, mais c'est clair. Hein. Les gens, ils font des trucs bizarres. On va amener la nuit. Bon bah régulateur de vitesse.
Bonjour Team Charles. Et reviens. Crève. Et ben il n'y avait pas un mot dans le coin? Si Jean Butin, il doit bien avoir un mot quelque part, non?
petite bourre. Oh, allez. On va aller tabasser un peu là-dedans. Comment je fais pour enlever le vampirique, voilà. Ah non, je veux pas. Mode normal. Je voulais pas prendre tout ça, c'est pas grave. Oh, bah ils avaient rien sur eux. Ils avaient Walou. Sauvegarder. Salut Carambuc. Ah, je joue avec un DLC, ça c'est un DLC. Hein. Calme-toi le rognard. Et des modes, ouais, j'en ai quelques-uns. J'ai le pack AGT, j'ai le pack Light, histoire que ça soit un peu plus ensoleillé, l'extérieur. J'ai le truc, j'ai un mode pour la minimap. Ah, je l'ai même pas en fait sur cette forme. Donc la minimap un peu plus détaillée. Et un truc pour les bouquins. Sinon les autres, je les ai enlevés. Et j'ai pas... C'est pas du tout ce que je voulais faire, là je suis où? Oh, je suis où? Il est là?
vient de là, non? Je le savais. Je vais prendre plaisir à te tuer. Oh, tu vas prendre plaisir à crever, surtout. Oh là là. Eh ouais. Bah c'est celle avec le... Ah putain. C'est quand tu t'acceptes d'être vampire. C'est la forme de chasse normale. Donc soit t'as celle-là avec les coups... comme ça. Soit celle où c'est que tu t'envoles. Avec ce côté-là. C'est pour déglinguer, pomper de la vie. Et celui-là c'est pour réanimer. Alors t'as aussi chauve-souris. Elle est où la vieille? Ah, par contre, ça a des inconvénients. Hein. La journée, tu te fais légèrement déglinguer. Si tu restes en plein jour, ça pique. Ça pique. Ah merde, c'est pas ça que je fais. Changement de forme. Ça, je peux pas taper dedans. Bizarre. Bizarre.
c'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché. C'est jamais. Tiens, 5 de sauvegarde. Ah non, désolé, je vais pas te mentir. Il les connaît pas. Ou peut-être, mais je m'en rappelle pas. Y'a personne? Ça y est, c'est fini. Une tête de bouc! Tête de putain. On peut pas la bouger. Dommage. Je vais me trimballer avec. Je vais me trimballer avec la tête devant moi comme ça, et puis c'est. Ah non. Je te remercie de pas m'en vouloir. Ça me touche. J'ai fini. Je sais pas pourquoi je suis descendu. Un petit tour pour l'honneur. J'ai rien loupé. On est d'accord. On est d'accord. C'est où je suis passé tout à l'heure. D'accord. Oula, un pavé. Je m'arrête 2 secondes pour le lire. Mais non, je ne connais pas. Après, je sais pas si c'est une exclue Xbox. Après, si c'est des exclus console, j'ai pas de console. Donc, j'ai des potes qui y jouent, mais personnellement, j'en ai pas. Donc, excusez-moi si s'il y a de gros opus que je ne connais point. Donc, ouais, je disais la minimap tout à l'heure. Avec les détails. Ah ouais, mais j'avais pas terminé la mission. Bien oui, bien sûr. J'étais tombé là-dessus en cours de route.
Ah, tu sais, moi ça fait pas longtemps que je suis sorti de ma bulle FPS donc. Bah, arrête de ronronner pendant que tu grimpes, toi. Comme un linge. Des bandits ont attaqué et pillé ma charrette. Vous pouvez m'aider ? Mon camp se situe près des ruines de Nilem. Amenez-moi là-bas sans encombre et je vous récompenserai. Oh, si c'est pas trop loin, je t'y emmène. Faut que j'active la mission peut-être. Ouais. C'est juste de l'autre côté du pont, au sommet de cette colline. Ça sent l'arnaque. Vous sentez l'arnaque comme moi ? Ah ouais. On approche. Je vois le camp. Après j'avais joué un. Attendez ici. Je reviens tout de suite. Ici. Ah mais t'es vraiment un bâtard. Vous les jouez? Vous les jouez avec Bonas? Ouch. Oh. Ouh, elle l'a aimé celle-là. Vous avez vu la petite flèche dans le front? Allez, change-moi de forme. T'avais rien. Honteux. Je suis déjà passé ici. En plus, j'ai déjà fait la même poulette. Tu sais que j'avais déjà pris la. Oh, tu devrais. Mais c'est que tu serais costaud. Vous allez faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Regarde ce que j'ai fait. Profiter, hein. Déclinquer. Ah,
Non. Ah. Voilà, changer de temps. Salut Nanook. Allez, reprenons la destination initiale. TF5 pour le fun. Comment allez-vous les nouveaux arrivants là? Ceux qui viennent d'arriver sur le chat. Ceux qui sont là depuis 3-4 heures, je sais qu'ils vont bien. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Ah, moi, du moment qu'il y a du monde sur le stream, ça va très bien. Ça va très bien. Merci pour ton follow. Merci à toi. J'ai pas eu le temps, j'ai pris du temps à regarder. Je ne sais point c'est qui. Merci à toi, Carambuc. Carambuc. Ouh. Territoire des ours. Ce ne sont pas vos affaires. D'accord. Je vais pas commencer à déglinguer tout le monde, après j'aurai des Allez, problèmes. Sortez d'ici. Circulez. Vous préféreriez labourer la terre ? On est encore loin là, parce qu'en fait je marche, mais. Ouais, il y avait plus simple hein. On va déjà aller là-haut. C'est Bernard. Eh ben écoute, y a pas de souci, y a pas de souci. Merci à toi pour ton follow, d'être passé. J'espère te revoir prochainement. Je ne serai pas là demain soir, hein. Je préviens pour ceux qui sont là. Vous avez mal choisi votre moment pour vous perdre. J'ai pas compris ce qui était affiché. Il y a eu un truc de marqué, j'ai pas eu le temps de voir. Ouais, si je vais les prendre. Je me dépêche d'avancer tant qu'il fait pas trop jour, tant qu'il fait pas jour même. C'est après ça va me déranger. Je vais commencer à voir mon sang qui va monter en température. Une ébullition totale. Je vais voir c'est quoi le bordel que je connais pas là-bas. Juste histoire de le découvrir. Peut-être même de tabasser quelqu'un. On va bien voir. Si je suis pas obligé de faire tout le tour.
Où tu nous emmènes, Bonas? Où tu nous emmènes? Sacré point de vue quand même. Légère conjonctivite, Bonas, quand même, je trouve. Ouille. Wow. Vampirisation. Merde, c'est le jour. Ça va piquer. Alors, on va vite rentrer là-dedans. Un peu trop de jour, à mon goût. Parce que je voulais faire. Oh mais t'es super puissant. Basse, hein. Encore un corps, hein. Quelque chose. Ah non, même pas. Je sais même pas quoi prendre. Très bien ce bâton. Lol, qu'est-ce que c'est? Ah,
Ça c'est fait. Beaucoup d'alcool hein, pour honteux. Pour se dépêcher. Espérons que je chauffe pas trop au niveau du sang. Toujours besoin d'un peu de fer. Profite vite fait, elle se repose en plus. Salut. Hé l'ami, si vous cherchez une dose, vous avez frappé à la bonne porte. Descendez vers la trappe. Ah d'accord. Si vous achetez, allez-y. Sinon, tirez-vous. Oh, sur un autre ton, je te bute. Hein. Salut Shikarana. Attendez. Si vous descendez, gardez vos armes au fourreau. Sinon, on va apprendre à mieux se connaître. Allez-y. Et tenez-vous à carreau. Eh, hey, t'as le mec. Salut. J'ai les cornes un peu plus grandes que tiennes, alors... je suis un peu le... la femelle alpha. Alors calme-toi. Descendez l'escalier. Oh, t'en fais trop toi. Pas votre regard. Moi non plus. Hey, une minute, vous êtes sérieux? C'est la tanière d'eau rouge, fournisseur du meilleur skooma hors de Balmora. Si c'est votre première fois, soit, trouvez-vous un recoin. Vous semblez tendu. Et pourquoi vous payeriez pas comme tout le monde? C'est pas une œuvre de bienfaisance ici.
Tiens, c'est bien, le scoma, en plus je vais pouvoir enfiler. Ah, j'aurais bien fait un carnage quand même. Si, c'est bien là. Descendez l'escalier, vous m'ennuyez. Oh. Tous crevés. C'est un truc de tox. Je me barre. Alors j'ouvre ça. On ne touche pas. Ok, 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 ok. Je vais pas tous vous défoncer, je sais pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. On va être gentil. On va être gentil. Je peux vous aider ? Un peu mieux. Eh l'ami, si vous cherchez une dose, vous avez frappé à la bonne porte. Descendez vers la trappe. Ah si, c'est bien ça. Sûrement omis de faire un truc. Descendez l'escalier, vous m'ennuyez. Vous semblez tendu. Allez donc vous relaxer dans un recoin. Vous voulez une autre dose ? Vous êtes le type de Helgen. J'ai failli pas m'en sortir moi-même. Je me suis blessé au dos et j'ai besoin de calmer la douleur. Ah si, pas de force. Je peux vous aider ? Moi je crois que je vais déglinguer tout le monde. Thank you.
elle l'a senti. Ils vont tous crever là-dedans avec le scoma. C'est abusé. Pourquoi pas ça? Bizarre. Allez. Personne d'autre? Ça c'est con qu'on puisse pas fouiller en mode normal. Je sais même pas pourquoi je le prends en fait, ce truc là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Sauvegarde. Ouais, ils avaient un truc à... Ils ont même pas de minerai quoi.
Friandise au miel. Pas de pitié, elle est jolie Thomas. Je vais t'ouvrir le chat, c'est bon. Je reviens deux secondes. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Putain, faut que j'envoie toutes mes touches. Et viens la bête. On a du boulot. Oui, ils sont tous morts. Il y a une gemme. Oh, des gemmes, j'en ai déjà plein. Je vais pas me retransformer juste pour ça. Vous devriez boire le sang de la source. C'est plus facile que de faire de la contrebande de ce combat. Le chef dit que c'est une sorte de source profanée. On dirait du sang, mais c'en est pas. Si on la boit, elle donne de la force. Mais elle peut aussi vous mettre à l'envers. C'est pour ça qu'on en met dans le skooma. Changement de forme.
Non, tombe pas. Tombe pas. Ça par contre c'est chiant de vraiment pas pouvoir fouiller quoi. Ça fait beaucoup trop de transformations. Oui, French. Qu'y a-t-il, French? Tac. Ça on a regardé. Bon, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Pas une poignée ou un truc comme ça. C'est la porte de tout à l'heure, on est d'accord. Ça sent l'embrouille. Ah, bonne question. The Hunter de nom. Qu'est-ce que c'est?
Va-t'en, jeune vampire. Voilà. Trop jeune. J'ai dû louper quelque chose. Ah, j'ai pigé pas la map. Oh, c'est... ouais, c'est pas grave. Transformation.